c'est Hélène, bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing. Donc c'est un unboxing un peu particulier. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, le colis est ouvert. Donc vous avez normalement déjà dû voir l'unboxing. Je vous ai dit qu'il y avait deux toiles dedans et j'en ai ouverte qu'une. Donc je vais vous expliquer pourquoi celle-ci, j'ai pas voulu vous la montrer tout de suite. On a décidé avec Lucie, donc de la chaîne Lucie DP, de faire un petit jeu, voilà, de faire une petite vidéo spéciale pour vous montrer d'autres choses. Voilà, donc on a décidé de faire ça ensemble. Après, c'est Lucie qui a eu l'idée. Voilà, elle me l'a proposé et j'ai trouvé ça super sympa. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu sur les chaînes de Diamond Painting. Donc voilà, je me suis dit c'est plutôt sympa. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est tout simple. On a commandé une toile en même temps, la même toile. Par contre, moi, je l'ai commandée en diamant carré et elle, elle l'a commandée en diamant rond. Voilà. Et du coup, on vous fait deux unboxings chacune. Enfin, comme d'habitude, on va faire la toile de notre côté chacune. Et à la fin, on vous fera une vidéo pour que vous voyez le résultat des deux toiles pour voir la différence entre rond et carré. Voilà. Donc, on vous trouvait ça plutôt sympa. Donc, je vais vous montrer tout de suite la toile qu'on a choisie. Donc, bien évidemment, donc on a commandé cette toile sur Evershine. Il y avait une petite promo à ce moment-là. Et puis, Lucie n'avait jamais commandé chez ce vendeur. Donc, on a voulu tester. Donc, le kit d'Evershine, c'est comme le précédent unboxing que je vous ai fait. Hein, c'est la même chose. C'est les toutes petites barquettes blanches. Donc, celle-là, elle est mieux découpée que celle que je vous ai ouverte tout à l'heure, parce que je vous ai fait la vidéo, je fais les deux vidéos d'affilée en fait. Un gros pain de colle, donc ça c'est très bien. Voilà, ça sert toujours. Un petit stylet transparent avec des paillettes, avec une petite mousse pour les doigts et un petit embout à 4 pour poser 4 diamants en même temps. Un autre embout pour poser 10 diamants en même temps. Et une petite pince noire. Alors, voilà, c'est bien, il me semblait que j'avais vu un truc dedans, j'ai un morceau de je sais pas quoi dedans. Donc, voilà, ce sont des pinces comme celle-ci. Donc, elles sont top, hein. Franchement, c'est de la super bonne pince, ça. Voilà, donc ça c'est le kit, le tout le kit. Ensuite, donc mes diamants, donc les miens, ce sont des carrés. Voilà, et je vais vous montrer la toile. Donc on l'a choisi toutes les deux. Moi je lui ai lancé l'idée parce qu'on aime bien toutes les deux voilà, de faire une gorgeous. Donc c'est une gorgeous. Et après on a mis en commun plusieurs photos qu'on aimait bien de gorgeous. Et du coup on a choisi celle-ci. Alors j'espère que je ne vais pas avoir de surprise. Et cavette nickel. Voilà. Hop. Alors, c'est parti. Donc, je ne sais pas encore quand est-ce qu'on va commencer à la faire. Lucie l'a reçue avant moi, donc elle a pu voir avant, voilà. Elle attendait que je reçoive la mienne, donc ça y est, c'est chose faite. Maintenant, il faut qu'on se mette d'accord quand est-ce qu'on va la commencer, quoi. Hop. Voilà. Donc, c'est cette petite gorgeous-là. Donc elle est assise voilà, sur le côté comme ça. Elle a une petite tirelire cochon. Je la trouve carrément trop mignonne. Elle est super belle. Ah ouais, franchement, je suis pas déçue. Les couleurs, elles ont l'air d'être super sympas. Elle est vraiment top, quoi. Elle fait un petit peu gorgeous adolescente, on va dire, par rapport aux autres où on croirait que c'est des petites filles. Celle-ci, elle paraît un peu plus âgée. Elle est... Ah ouais, elle est carrément trop mimi, quoi. J'adore. Ah,
Trop chouette. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, je croyais que c'était une rivière. Mais en fait, c'est, j'ai l'impression que c'est la toile qui s'est soulevée un petit peu. J'ai l'impression qu'en fait, chez Evershine, ils mettent pas, vu qu'ils mettent des petits papiers comme ça, en trois là, les papiers, c'est la colle va avec en fait. Et du coup, comme je vous disais dans ma précédente vidéo, ça fait trois bandes de colle. Et du coup, là, on n'a pas la même. Voilà, c'est pas très bien, c'est pas très droit. Et là, j'ai l'impression que, ouais. Ah, voilà, quand j'appuie comme ça, ça le fait. C'est la jonction des deux, en fait, qui se soulève un peu. Ouais, c'est vrai que c'est mieux. C'est plus chiant d'avoir des papiers entièrement. Là, c'est plus facile pour faire. Mais au moins, la colle, elle se présente en un seul morceau et on n'a pas ce genre de problème. Bon, là, ça, c'est pas grand-chose, mais ça aurait pu être pire. Voilà, donc. Ah, franchement, je suis trop contente qu'on ait choisi ce modèle-là. Je la trouve carrément magnifique. Elle est trop belle. Voilà. Et le dernier, c'est toujours le dernier qui pose un problème. Non, là, c'est bon. Hop. Voilà, je vais juste ouvrir là pour bien remettre la toile. Voilà. Donc cette petite Gorgeous, elle a 30 couleurs. Donc ça a l'air d'être des couleurs assez foncées quand même. Donc elle est dans les teintes violet. J'adore. J'adore trop. De toute façon, je pense que Lucie et moi, on est un peu pareil. On a le. Non, ça faut que je le garde. On a les mêmes goûts, hein. Les teintes violet, rose, on aime beaucoup. Et c'est pour ça aussi qu'on a décidé de faire une vidéo ensemble. C'est qu'on a. Voilà. On se connaît pas, mais on pense à peu près les mêmes choses. On a les mêmes goûts. Donc c'était facile, quoi. C'était facile de faire un petit truc comme ça ensemble. Voilà. Alors maintenant, j'espère que j'ai tous les diamants. Donc moi, maintenant, j'ai commencé à prendre le pli. Hein. J'ai eu plusieurs toiles comme ça. Donc vous savez, il n'y a pas de feuille de route. La feuille de route est sur la toile. Et comme je vous ai dit, c'est plus long parce qu'il faut retrouver les numéros. Il faut bien regarder les DMC, les quantités et tout ça. Donc ce que je fais, c'est que je les trie donc, par dizaines en fait. Là, je suis... Donc j'en ai 30. Je vais mettre là tout ce qui est de 0 à 10. Après, de 11 à 20. Et de 21 à 30. Et comme ça, après, je galère moins à tout chercher partout. Voilà, ça va plus vite. Donc par contre, ce qui est un peu plus long, bah, c'est que moi, je vérifie exactement la quantité. Alors, je ne compte pas diamant par diamant, mais je vérifie la quantité de diamants qu'il y a dans les sachets. Parce que comme je vous ai déjà dit, ça m'est arrivé. Bah, là, j'ai l'impression que c'est le cas. Voilà. Par exemple, le 37-78, il m'en faut 67 et ils m'ont dit qu'ils m'en ont mis 79 dans le sachet. Moi, je veux bien, mais je suis pas sûre qu'il y en ait 79 là. Donc, il faudrait que je regarde à peu près, que je fasse 10 par 10. Mais vous voyez, il faut vraiment se méfier parce que... c'est. Alors là, par contre, c'est tout l'inverse. Le 8, le 356, il m'en faut 28. Bah là, j'en ai carrément de trop, quoi. Donc, c'est pour ça que, ouais, moi, l'unboxing, enfin là, je vous le montre pas à chaque fois parce que c'est long, hein, mais ça me prend plus de temps à contrôler ce genre de toile que les toiles où il y a des petits sachets de 200, de 500 ou de 1000. C'est beaucoup plus rapide, quoi. Donc, les diamants, ils sont très beaux. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hop, le 1, c'est bon. Le 2, c'est bon. Alors, c'est marrant parce qu'ils sont complètement contradictoires, quoi. Le 154, là, c'est ma deuxième couleur. Normalement, il m'en faut 1736. Ils m'en ont mis 2048. Donc là, j'en ai la dose. Et l'autre, où il m'en faut un peu plus, et bah, j'ai l'impression que je vais pas en avoir assez, quoi. Donc, c'est bizarre, leur compte. Je sais pas, ils fonctionnent pas comme tout le monde. 223, ok. Le 5... 224, c'est la bonne couleur, j'en ai assez.
Le 6. 315. Le 315, c'est une couleur magnifique. Ah, j'ai plus de batterie. Regardez. J'adore cette couleur-là. C'est magnifique. 6315. Faut que je me dépêche parce que je sens que mon téléphone il va couper. 318, ça c'est bon. 356, il m'en faut 24, c'est bon. 414, c'est bon. 451, c'est bon. Donc déjà les 10 premières couleurs, c'est bon. Alors ensuite. Ah oui, j'ai mélangé les... Ouais, c'est pas grave. 11. Le 11. 452. Ok, ça c'est bon. Le 12. Ah, j'adore le 550. Regardez-moi ce magnifique violet. Vous devez le connaître parce que le 550, il y en a souvent sur les toiles. Et j'adore cette couleur. Il est super vif, le violet. C'est magnifique. 647, c'est bon. Donc c'est celui-ci, non c'est pas celui-ci que j'ai un doute. Non, celui-ci vous voyez, 33, je pense que voilà, il m'en faut 758, il m'en faut 28. Ils me disent qu'ils m'en ont mis 33, bon bah là je pense que c'est bon. J'ai ce qu'il faut. Ensuite, 777 c'est bon, 778 c'est bon, 823 c'est bon. 838, c'est bon. 915. Oh, le 915 aussi, je l'adore cette couleur-là. Oh ouais, regardez-moi ça, c'est trop beau. J'adore. 939, le 939 aussi, j'adore. Je trouve qu'il est magnifique ce bleu. Hop. Alors toujours quand c'est 939, vous voyez là, j'ai pas de 310, donc j'ai pas regardé. Mais 310 et 939, je regarde un peu plus en détail, parce que c'est souvent les couleurs qui posent problème. Donc là, il a l'air d'être nickel. Hop, et donc ensuite, voilà, le 950, c'est bon, le 3041, c'est bon, 3042, c'est bon, 3726, 218, c'est bon, 3740, c'est bon, 26, 37, 73. Bah celui-là, c'est bon. Hein. Regardez, ils me disent qu'il y en a 76 dans le sachet. Il y en a beaucoup plus que 76. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. C'est plus pour celui-ci que j'ai un doute. J'espère que ça va le faire. Le 37, 78. Il m'en faut 67. Ils me disent qu'ils m'en ont mis 79. 2, 4, 6, 8, 10... Voilà, les 67, ça va peut-être le faire, mais ça va être pile poil. Hein. Je vous redirai ça, mais c'est la seule couleur qui me fait un peu peur. Celui-ci, c'est bon. Celui-ci, c'est bon. Et le dernier, 38-61, c'est nickel. Bon, bah voilà, c'est super. J'ai tous mes diamants. Et je vous dis, il n'y a qu'une couleur, j'ai peur, mais bon, on verra ça. Au pire, Lucie, si t'en as plus que moi, tu m'en enverras. Hein. Mais... En tout cas, la toile est dans un bon état. Elle a bien été faite au niveau de la colle et tout ça. Les diamants sont super. Il y a le compte. Donc bah, maintenant, il n'y a plus qu'un, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Donc bah, écoutez, j'espère que ça va vous plaire, notre petite surprise. Et puis, bah, sur le coup, bah, je vais vous laisser, hein, comme d'habitude. Je vais faire des gros bisous à Lucie. Hein, à bientôt. Et puis, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Allez, salut !